Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Je vais vous laisser le soin de vous présenter. Je suis Roland Cranoli, adjoint maire de Gagny, en charge de la politique de la ville, la prévention de la délinquance, la jeunesse et la sécurité. Enchanté. Quel est votre sentiment sur la manière dont sont appliqués les droits de l'homme en France, ce pays qui en est le berceau? Je pense que pour un pays justement qui en est le berceau, la France a encore quelques efforts à faire, quelques améliorations à porter sur son regard sur les droits de l'homme. Par le biais de ces micro-trottoirs, nous luttons contre l'ignorance, l'oubli et le mépris des droits de l'homme. C'est pourquoi nous demandons à chaque participant de bien vouloir nous lire un des articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Donc je vais vous demander de tirer au sort un numéro et de lire l'article correspondant. Numéro 8. Numéro 8. Numéro 8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. Merci pour cette lecture. Je vous en prie. Que pensez-vous du slogan de l'association qui est « La violence recule là où la solidarité avance » ? C'est une vérité, tout simplement. Est-ce que nous pourrons compter sur votre solidarité par un geste simple, ce qui est de faire connaître nos actions dans votre entourage ? Oui, sans problème. Merci beaucoup pour votre solidarité. Je vous souhaite bonne continuation. Je vous en prie. Merci.